Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome at Renault Pavilion. As all of you know, recently Renault Group announced its third consecutive year of sales growth worldwide. So today, I'm proud to say we are the number one European brand in this country. I think with 1 lakh booking in 4 months, the network is extremely excited and positive. We need to always remember Renault is just 4 years old in India. So I think this was a very strong testimony of Indian customer putting their trust on Renault brand. So it's not only 100,000, but I think it clearly shows a path for future, what holds for Renault in India. Alors en Inde, on a la chance d'avoir un marché qui est extrêmement porteur puisque l'année dernière, il a progressé de 6% et il va encore progresser de l'ordre de 7% cette année. Il faut vraiment se féliciter de notre performance l'année dernière grâce à, bien sûr au succès de Kwid, mais pas seulement, avec un Duster encore assez robuste et un Logique qui est un peu à la peine. Cette année, on prévoit en Inde de faire plus de 150 000 voitures, donc qui est une vraie progression par rapport aux presque 60 000 voitures l'année dernière. In just over 4 months, the Kwid has become a huge success. I'm very happy to present to you a world premiere of two concept cars, the Kwid Climber and the Kwid Racer. Alors, on est ici à Delhi Motor Show. C'est vraiment top parce qu'on a juste lancé Renault Kwid et depuis 4 mois, on a déjà 100 000 commandes. Alors, le marché indien, c'est très particulier. C'est un marché où il faut animer beaucoup la vie série d'une voiture. Alors, même après 4 mois, on est déjà ici avec un moteur 1 litre et une AMT, un moteur Easy Air, une boîte automatique. En plus, on veut montrer aussi le potentiel d'innovation que Kwid pourrait amener. Par exemple, avec deux voitures concept qui sont personnalisées, un climber qui donne un côté off-road, avec une ski, avec une protection sur le phare et feu, avec des pneus beaucoup plus robustes, un garde au sol encore plus élevé et un intérieur inspiré par le monde du rock climbing. L'autre concept, c'est le Kwid Racer. Alors, même sur un Kwid, on peut faire une voiture sportive avec des boucliers très élargis, des aides aérodynamiques, deux roues très grandes de 18 pouces qui donnent une belle impression à la voiture. Avec ces deux voitures, ces deux concepts, on montre que Renault Kwid n'arrête pas d'innover et on peut vraiment créer la voiture de son rêve. Cette voiture est d'une flexibilité à toute épreuve. Ce que ça montre aussi, c'est qu'on peut, avec quelques idées de base, changer complètement l'esprit de la voiture. Effectivement, la voiture bouge, la voiture vit, et je pense que c'est absolument nécessaire pour continuer à croître. Et donc, ça permet de penser qu'avec les évolutions qu'on a déjà décidées, on va continuer à en croître, en fait, non seulement l'intérêt du public pour la voiture, mais probablement aussi l'image de marque de Renault.